3, 2, 1. Salut. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a une petite session cliff qui est prévue avec tous les mecs trop chauds du cliff français. On s'est donné rendez-vous en Ardèche. Il y a plein de gens qui nous ont dit qu'il y avait des super spots là-bas. Donc on va aller regarder tout ça. Là-bas c'est 15. Ça, ouais. Ok. Ah, c'est carré, il y a du monde sur les slacks là. Je sais pas si on va pouvoir réussir à sauter. Il y a trop de monde là. Il y a un event de slackline. Du coup on va aller sur un autre spot. Ça c'est le genre de spot à la Jérémy Nicolas. Enfin là c'est grand quand même. Bah il y a environ 25 je pense, mais tu peux sauter moins haut à gauche, il y a plein de tours là. Il y a plus là. C'est vrai qu'il y a... Bon, je pense pas hein. L'an dernier j'avais estimé à 25 avec Romain. Estimé. tu me fermes. Oh. Hop. Je vais tester l'engin de Jérémy Nicolas. Je vais mettre en mode vitesse intermédiaire. Je vais régler pour que tu aies besoin d'appuyer que avec la main droite pour accélérer. Forcé. Ok. Ok, je vais vous dire si elle est vivante. Par contre, il y a v'là le fond. Ouais, c'est parfait pour sauter. Je pense que c'est carré niveau fond, hein. Clairement. Ouh. On est en Ardèche. Il y a énormément de gens qui voulaient qu'on vienne en Ardèche, du coup, ça fait plaisir. Là, on est là. Et il y a un bon spot. Je crois qu'il y a un 25 mètres à faire. Donc, pour la reprise, ça fait quand même assez gros. Mais bon, là, il y a des mecs qui envoient du lourd. Donc, ça va rassurer. A mon avis, il y a de la bestiole là-dedans. Ouais, mais ça va, ça va pas être des gros varans comme dans ta gamme. Ouais, c'est vrai que c'est plus rassurant, ouais. Ouh. Wow. Stylé quand même. C'est vrai que ça a l'air un peu sketchy de monter. Oh. Ah ouais. C'est ton dax, non? C'est vraiment de l'escalade. Carrément. Ouais, aussi, mais bah, ouais, ça le fait, ça le fait. Eh, c'est chaud, hein. Wow. Oh, je vais t'aller où, là? Vas-y, franchement, t'es foncé. Oh, les ronces. Attends. Oh, c'est bon. Oh. Ouais. Attends, je suis accroché. Ce passage était très très sketchy, les gars. Il y avait tellement de ronces. Oh, si merde. Il y a des ronces partout. On avait une dans la gencive. Waouh. Ah ouais. Ça m'a l'air très très grand là. Depuis tout à l'heure, ça annonce des 23, 25. Oh non. Ça fait flipper pour reprendre quand même. Je fais gauche, droite, gauche. C'est bon? 3, 2, 1. Attends. Bah, le problème, c'est qu'il y a des ronces partout. Et la moindre ronce, en fait, ça lui chope le pied et puis il peut plus courir. C'est bon? Ouais. Ok, 3, 2, 1, let's go! Je suis pas bien. Il est trop pas à l'aise cet endroit. En fait, la vibe avec la pluie là et genre la grimpe toute sketchy, ça met pas en confiance.
3, 2, 1, let's go. On va pas rester aussi longtemps les jambes écartées, hein, c'est dangereux. Hein. Le meilleur spot du monde. Alex qui est en train de se préparer. Claire, il veut faire Dub Gainer. Il y a la pression qui monte. Alex, il fait des vidéos YouTube aussi. On vous met le lien de sa chaîne parce que franchement, il est trop déter en ce moment. Le spot, il est un peu dur quand même. Parce qu'il y a des rochers partout. L'eau, elle est un peu sombre. Le problème, c'est qu'on sait pas trop où on atterrit. Et puis, c'est quand même bien haut. Hein. On va pas se le cacher. Plein de petits paramètres qui font que le spot, il fait bader quand on veut lancer un tricks. Il y a du public là. On attend, mais Alex, il a pas envie de sauter. Alex, il veut faire deux saltos dans le saut et c'est compliqué. Ah, ça rentre pas! Et là-haut, il fait froid, hein! Il dit qu'il fait très froid. On lui a dit que c'était plus froid quand il allait atterrir. Oui, mais il a le stress en moins une fois que t'as atterri. Les gars, c'est beau! Je vais atterrir là! C'est okay. Un peu loin ça. Vas-y, splash! Ok! L'adrénaline que ça fait! Bien joué! Ouais, c'est incroyable! Ouais, je t'ai dit ah, ça fait kiffer! Ce genre de double-lay là, c'est tellement haut en vrai! Les gars, ils font ça là déjà, mais ils font pas ça de aussi haut, c'est vraiment fou! Le level qu'ils ont là, les gars du cliff. En France, ça devient vraiment n'importe quoi. Ouah, mais ça fait tellement peur. Ils sautent entre des cailloux là, il faut viser. Et en plus, il y a tellement de hauteur. Oh, il avait l'air plaisir. Il était cool. Yeah. Et là, maintenant, on passe aux choses vraiment très sérieuses. Il y a Com qui va faire un 28-29 mètres. Si jamais vous voulez nous soutenir, on a fait un restock de la collection Deepwater. Et on a sorti le t-shirt Goutte en noir, en coloris noir. Du coup, si vous voulez choper ça, c'est dans la description. Bon, ça demande un peu de préparation là, le 28 mètres, parce que bah, déjà c'est 28 mètres, du coup c'est énorme, faut bien tout mesurer. Et en plus, comme il vous l'a dit, il a un petit projet, il veut faire pendant un mois, il rajoute 1 mètre et du coup il finit jusqu'à 31 mètres. Du coup là, il essaye de chercher un 29 mètres pile. Du coup, normalement là, on a trouvé ça, je pense. Juste faut bien vérifier s'il y a du fond et si ça fait la bonne taille. Là, il y a Com qui s'est positionné tout en haut là, 29 mètres. Il a envie de faire un dodge parce que. Il veut se chauffer pour faire le 33 mètres du gouffre de l'œil doux. Pff, c'est une dinguerie quand même. C'est assez vénère. Du coup là, avec Alex, on va aller se foutre en safety. Au cas où, parce qu'on sait jamais. Plus je le regarde et plus je me dis, putain mais c'est immense. Allez. Allez, tu vas le démonter. Ce plan iPhone là, il fait bégayer. C'est vrai? Non, non! Waouh, mais c'est immense! Oh la vache! Hey, allez suivre Com sur Insta. Ça, ça régale. Oh, la fermeture parfaite! Ouais!
parfait, ouais. T'as raison. Là, si t'es comme ça, à l'atterrissage, l'eau, tu vas te la prendre dans le ventre et ça va te couper la respiration. Ok. Si t'es comme ça, bah là, tu vas te les poings ou les pieds. Par contre, si t'es comme ça, genre là, ici, comme ça, là, c'est parfait. Ok, regarde, donc faut être méga précis, quoi. Ouais, faut juste practice de ouf. Hein. Quand on voit ça, on se dit pas du tout que c'est autant précis. On se dit, ouais, c'est un gros bourrin. Et toi, ça fait combien de temps que tu dodes? Moi, ça fait depuis le Covid. Donc depuis 2020. Ah, t'étais où en 2020, toi, Romain? En 2020, moi, je travaillais très cher. J'ai faim, moi. De où? J'ai très très faim, là. On va aller manger un coup, là, on a trop faim. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas les petits t-shirts qui sont sortis. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!